Je vais vous présenter aujourd'hui la spécialité escargot à la Bourgogne ou de la région Bourgogne, escargot Bourgogne, si. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin comme ingrédient? On a besoin du persil, l'ail et échalote, du poivre, du sucre, du sel. Et du beurre, voilà l'ingrédient de base, il y a que ça pour faire escargot Bourgogne. Voilà, c'est très connu en France. Ok, donc là, il y a un peu de bon pour une petite chanson qui est d'un beurre, d'un persil, d'un inan, il y a un sac qui est d'autres qui est d'un. Donc là, il y a un peu de ça, il y a un peu de parang, il y a un peu de sang, il y a un peu de score, il y a un peu de balai, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. โอเคยังหมดเรื่องทาสกขมายมีนอัดเนี่ยนะสกยืงแต่ก่อนทาเกี่ยหายแปกซิลสลักเวรุนคุ้นคิวคิวนึงนะเวียอัดเรื่องทาทุ่มกลันไม่ได้เพราะทุ่มกลันเวียมาย่างเวียมันดูจีดูเอที่ไทยสามมือบะเมียนกับพื้นถ้ามายืงอัดยังอัดเรื่องได้แต่ในนี้เนื้อรกพิษบู On a besoin obligatoirement le robot pour mélanger ça. Là, il y a ta cam sinh cận. Echalot rồi có hai từng cả hóm đó mà dương đặt bờ chốn và chút tiền bật bó ông bật bó ông bật xíu cơ nằm rách score un peu d'issel. Blanchir les moules, blanchir les moules, voilà, avec l'eau qu'on les fait, on les met dans les lots, dans l'eau bouillie. Này, dùng đâm thực đá để dùng sọc moules mà phải sử dụng bọ đâm phải dùng. Này, après on les farcir. Là, ensuite, on va les ouvrir et pareil, on va les farcir aussi. On va faire des huîtres gratinées. Gratiné, rồi cầm bún phát xí, crumb, này crumb cho mỗi bữa. Ok, escargot Bourgogne,
này khiong nó kì sọc kì ấy về rồi hỏi lịch sử xong đi ra prepare sai gì hay ona đi ra phi Hey, les huîtres, en principe, en France, on mange cru, mais ça ne nous empêche pas de les farciner, hein, ou de, pas farciner, de farcir. Farciner. Non, de les farcir, ou gratiner. C'est pas très, très connu, les huîtres gratinées, mais il y en a certains restaurants, quand même, qui servent des huîtres gratinées, parce que peut-être il y en a certains Européens n'aiment pas non plus manger cru. Bon, comme nous, les Asiatiques, on n'aime pas trop manger cru, donc on préfère les gratiner. Donc, on a escargot Bourgogne, huîtres gratinées, moules gratinées. D'accord. Donc, voilà, c'est juste pour vous montrer que normalement, l'ingrédient beurre. Persil, on peut quand même faire plein de choses. Et ensuite, changer la matière première. Voilà, les moules gratinées. Ça sent bon, hein? Ouais, clenche mouillement. Tu veux goûter, hein? Pour voir. Un peu. Très bon, hein? Ah, oh, c'est très très bon. Avec un peu de vin blanc. Ça marche très bien, hein? Des fruits de mer avec vin blanc. Này, comme ai dương, này, c'est à sao, chứ mùi cường sa mốt. Mình bơ, mình ấy hay nâng cái nhà mùi nâng bằng. Nè, được đấy. Cái hai mùi gratiné. Này, vịt gratiné, mùi gratiné hay nâng escargot bourgogne. Ok, được chứ này nâng dương bàn là mùi hái. Này, bàn hộp mà một hái, mà hộp nửa sọc bèn để cái gì này dùng. Này, dạm dương chụp nè, bị khỏi thiệt. Ok, bye bye. Này, à biến tu, à tu, bye bye.